Bonjour, je vous propose de découvrir les fonctionnalités de la nouvelle version du logiciel Elodie, le logiciel d'ACV bâtiment du CSTB. L'objectif est de vous montrer comment nous avons repensé notre interface utilisateur pour plus de confort d'usage, mais aussi pour plus d'efficacité. Pour cela, nous vous proposons de vous présenter en trois étapes les principaux modules de notre logiciel. La troisième étape aujourd'hui, l'exploitation des résultats. Lorsque l'on clique sur l'onglet Résultats, un nouveau calcul du projet est effectué. Les résultats numériques du projet sont alors disponibles sous forme de tableau. On retrouve les indicateurs et les phases de la norme 15978. Les phases optionnelles peuvent être affichées en cliquant ici. Les indicateurs sont regroupés en quatre catégories: impacts environnementaux, consommation des ressources, déchets et flux sortants. On peut bien sûr naviguer dans le projet grâce à l'arbre situé à gauche et afficher ainsi les résultats du nœud sélectionné. On peut également simplement copier-coller les tableaux dans Excel avec un CTRL-C au clavier et un CTRL-V. Lorsque l'on passe en mode graphique, nous avons trois options disponibles: le graphique monocritère, le graphique multicritère, ainsi que le graphique qui est affiché à l'écran, qui permet de visualiser le niveau carbone atteint par chaque bâtiment. Le graphique monocritère propose une vue multi-échelle des impacts des différents contributeurs du projet pour un indicateur donné. La liste des indicateurs disponibles se trouve ici, et on sélectionne l'indicateur désiré pour visualiser le graphique. Au centre du graphique se trouve l'élément sélectionné dans l'arbre. Et en se déplaçant vers les bords, on trouve les différents éléments enfants, ici les bâtiments, puis les zones, puis les différents contributeurs. Le contributeur chantier, le contributeur énergie, le contributeur eau et le contributeur composant. Pour le contributeur composant, on trouve ensuite les lots et les sous-lots et les différents composants constitutifs de chacun des sous-lots. On peut faire un zoom détaillé sur les lots les plus impactants. En cliquant simplement sur le graphique, on peut revenir en arrière très simplement ou centrer le graphique directement en cliquant dans l'arbre à gauche. Le graphique multicritère permet de comparer les sous-composants de l'élément sélectionné dans l'arbre à gauche selon plusieurs indicateurs. Par exemple, au niveau de la zone, on peut comparer les différents contributeurs, les sélectionnés et les désélectionnés. Pour le contributeur composant, par exemple, on peut comparer chaque lot entre eux selon certains indicateurs que l'on peut sélectionner ou désélectionner de la même manière. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender le nouveau fonctionnement du logiciel Elodie et vous aura donné envie de l'essayer. L'équipe Elodie vous met à disposition un email beta.elodiev3@cstb.fr pour répondre à vos questions sur cette nouvelle version. Vous pouvez également créer un compte démo sur la version actuelle d'Elodie sur le www.elodie-cstb.fr ou vous informer sur l'expérimentation E plus C moins sur bâtiment-énergiecarbone.fr. Au revoir et à bientôt.